Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Breaking Beauty News. Le dossier du mois, Kat Von D ne débarquera pas en France. Et non, après l'annonce de l'arrivée de la marque en France courant 2015, il a été annoncé il y a quelques semaines que la marque arrivait chez Sephora le 1er février. Malgré aucune annonce officielle de Sephora France ni de la marque Kat Von D elle-même ou de sa créatrice, nous avons attendu, nous avons voulu y croire. Nous avons douté et nous nous sommes rendus compte que finalement, non. Au matin du 1er février, aucune trace de Kat Von D sur le site de Sephora France. Problème de contrat, apparemment, la marque devrait quand même débarquer en France courant septembre. On croise fort les doigts et on espère. Nouveauté maintenant, chez MAC, plusieurs collections ont fait leur apparition. En édition limitée, la collection Maria Carré, qui contient un rouge à lèvres, la collection Viva Glam d'Ariana Grande, un rouge à lèvres et un gloss, et dans les collections permanentes, les Velvetis crayons jumbo mat pour les lèvres qui rappellent ceux de chez Nars, mais aussi les Retro Matte Liquid Lipstick, leur premier rouge à lèvres liquide tant attendu. Chez Lime Crime maintenant, les trois Velvetines qui composaient le kit qui avait été créé pour le Black Friday sont maintenant vendues à l'unité. En plus de ça, deux autres teintes font leur entrée dans la gamme. Dior lance un nouveau parfum dans la gamme Poison. Chez Jeffree Star, très bonne nouvelle, en plus du velours liquid lipstick Breakfast at Tiffany's qui vient de sortir mais qui ne plaira pas forcément à tout le monde, la teinte Androgynie tant attendue et tant désirée qui était sortie pour l'édition de Noël revient à partir du 12 février en collection permanente. Et Nars, quant à eux, sortent leur bébé crème mat. Ce n'est pas vraiment de la nouveauté, mais presque. On passe maintenant aux reformulations. Chez Dior, tout d'abord, c'est la gamme Forever qui se voit reformulée. Le fond de teint se targue d'avoir une meilleure tenue et un meilleur confort. Une poudre libre est rajoutée à la gamme, ainsi qu'une base de teint. Le fond de teint prend quelques euros de plus. Certaines teintes sont encore disponibles chez les distributeurs. Quant à Saint Laurent, c'est le teint touche éclat qui est revisité. Il change même de nom à un mot près. Lui aussi prend quelques euros de plus. Pas beaucoup, mais quand même. Si vous voulez encore trouver l'ancienne version, courez vite en magasin parce qu'il n'est pour l'instant plus disponible sur le site de Sephora, par exemple. Les collections de printemps ont fait leur arrivée dans nos magasins. Que ça soit Chanel avec LA Sunrise, Dior avec Glowing Gardens, Yves Saint Laurent est enfin arrivé en bon dernier, Lancôme avec sa collection From Lancôme With Love, Guerlain, Givenchy, Too Faced et j'en passe, ils sont tous débarqués, dépêchez-vous pour ne rien rater. Dernièrement, deux nouvelles marques sont arrivées en France, Too Cool For School, la marque coréenne, et la marque anglaise Fresh Beauty, bien connue entre autres pour ses baumes à lèvres teintés très très hydratants et surtout très pigmentés, fait son grand retour elle aussi après plusieurs années d'absence. En effet, elle était avant disponible au grand magasin avant d'avoir disparu. Suite à une grande demande apparemment, c'est les Galeries Lafayette qui les ont invités à revenir, tout d'abord juste pour Noël dans un corner éphémère. Finalement, après vérification, ils restent bien définitivement. Ces deux marques sont donc à retrouver aux Galeries Lafayette Haussmann en exclusivité pour le moment. Malheureusement, nous allons aussi parler arrêt, puisque nous avons appris il y a peu que le teint lissant perfecteur de chez Shiseido allait être discontinué. Oui, ce sera au profit d'une nouveauté qui arrivera très bientôt pour le printemps apparemment, mais nous vous conseillons de courir faire du stock. Ce mois-ci, et pour une bonne partie du printemps-été, nous pouvons dire bonjour au Cushion Cream. Après avoir été importé en France par Lancôme l'année dernière, ce petit boîtier coréen à la base, oui comme les bébés crèmes et les CC crèmes, débarque en France dans plein de marques. Le concept, un petit boîtier à emmener partout, contenant un fond de teint liquide ou une bébé crème selon les marques, la matière est emprisonnée dans un petit coussin que vous pressez avec une éponge spécifique, le plus souvent dans une matière comme du néoprène, et que vous appliquez en tapotant sur le visage. Toutes les marques s'y mettent donc, certaines en gardant la formule originale comme L'Oréal ou Sephora, d'autres comme Estée Lauder ou Givenchy préfèrent le revisiter à leur manière. Au lieu de la mousse, on retrouve donc un capuchon en plastique à presser lui aussi pour sortir la juste dose de matière. Certes, la couvrance n'est pas toujours au rendez-vous selon les marques, selon les gammes et selon le produit qu'il y a à l'intérieur. En général, le fini est par contre toujours assez glowy, comprendre lumineux, parfaitement à la mode de ce printemps-été donc. Le dernier flash info du mois nous vient tout droit des États-Unis. Et oui, c'est officiel, la marque Tarte Cosmetics livre enfin en France. Nous, petites Frenchies qui l'adorons, son arrivée chez Sephora France n'est toujours pas au programme.
Nous devions passer par Chipito, user de moyens et d'autres moyens, demander à des amis de nous la ramener. C'est aujourd'hui terminé puisqu'on peut commander directement sur leur site internet. Moyennant à peu près 15€, UPS nous livrera notre colis. Faites par contre attention avec ce genre de transporteur, les frais de douane sont quasi assurés selon le montant de votre commande. Essayez donc de ne pas dépasser à peu près les 60$. Mais rien n'est assuré, il peut quand même y en avoir. Et enfin, info de dernière minute, certaines collections d'été sont déjà annoncées. Oui, les collections de printemps sont toutes sorties, forcément, celles d'été commencent à arriver. En particulier chez Dior, où on a déjà pu voir quelques visuels de la collection. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais dès que ce sera le cas, on vous le dira. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Breaking Beauty News, et à très bientôt pour une nouvelle édition.